Cette route inondée, impraticable soit-elle, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et en cette date du 17 mai, pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et troisième président de la RDC, Mzé Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila a préféré passer cette journée qui commémore la libération du Congo de la tyrannie absolue du président Mobutu avec ses 700 militaires du bataillon Fouma de la marine des FRDC en formation dans la vallée littorale de la Rugumba. Nous sommes à Kalemie dans la province du Tanganyika. Accueilli de pleine joie par les troupes, avec à la tête le commandant 22e groupement naval, amiral Ruvunangiza Jamari, le gouverneur Zoé Kabila, qu'accompagné des membres du corps de défense et de la police, a passé un moment important, réconfortant la morale de ces hommes en uniforme, appelés à servir le pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kamina ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa gibecière, Zoé Kabila s'est amené au centre de formation avec un important lot de vivres et produits pharmaceutiques pour appuyer la logistique de ses hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous sommes vraiment heureux d'être visités pour la première fois par un excellent gouverneur de la province. Nous, étant qu'instructeurs, on est en train de se promener pour former ces gens et l'excellence a vu lui-même de ce que nous avions inculqué à eux et qu'un jour ça va leur servir davantage. Nous espérons que ça soit pas pour la dernière fois. Avant de quitter le camp, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner pas copieux, ensemble avec ses visités dans une ambiance conviviale. Il faut réduire au silence et auquel on n'exige ni moralité ni compétence. Voilà pourquoi toutes les entreprises de l'État sont appelées des canards boiteux. Il y a enfin la classe qu'on appelle les députés et les sénateurs. Ils servent des paravents. Leur rôle est de protéger ceux qui volent, que dis-je, ceux qui gouvernent et endorment la population. La preuve est qu'on a voté, on a volé, par exemple dans le Haut-Katanga, 27 600 000 dollars, sans que cela puisse émouvoir les députés nationaux ou les députés provinciaux. Comme des chiens bergers, on peut les lancer pour défenestrer un gouverneur, défenestrer un ministre, par les vrais manipulateurs basés à Kinshasa. Pour diminuer l'influence nuisible et néfaste de l'oligarchie chinoise dans la gestion de notre pays, nous proposons le fédéralisme, avec 6 États hérités de la colonisation, dans lesquels il y aura des provinces. Le fédéralisme va diluer l'équipe de prédation basé à Kinshasa, permettre aux compétences de retourner à la base pour participer au développement à partir des entités de base. Cela implique la révision de notre constitution. Oui, cette constitution doit être révisée, car le chef de l'État actuel et son parti politique, l'UDPS, n'ont jamais approuvé cette constitution. Au deuxième point, pour faire face au surcoût que nous rencontrons en Europe, Batoussol a mis sur pied un service de crédit dans le domaine des interventions médicales. Pour permettre aux patients résidant à Kinshasa d'avoir recours aux actes médicaux de bonne qualité sans être freinés par l'obstacle financier. Batoussol, votre partenaire médical. Téléphone 0044 74 05 42 65 99. WhatsApp 0044 77 75 32 54 24. À très bientôt avec Batoussol. Merci.